Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Soubonne, que la paix du Seigneur soit avec vous. Il n'y a pas longtemps, je vous ai montré un policier qui racontait tout ce que trois jeunes gens avaient fait. Aujourd'hui, nous avons plus d'informations. Je vous avais expliqué que trois jeunes ont tué leur copine et ils ont coupé leur tête parce qu'ils voulaient faire de l'argent. Comment ça s'est passé? Je vous explique tout maintenant pour que vous puissiez comprendre. Si vous avez 18 ans, 17 ans, même 19 ans, vraiment, méfiez-vous de la tentation. La tentation du rituel d'argent. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, comme les voitures magiques, toutes ces choses qui permettent d'avoir de l'argent rapidement pour faire le buzz, ou la Java, toutes ces choses-là, ce sont des choses vraiment qui représentent un piège. Eh bien oui, dans ce monde, il y a beaucoup de pièges. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièges. Écoutez ce qu'il a dit. La police a attrapé avec ses jeunes de tête et ses amis, lui et ses amis. La police lui a posé une question, mais comment es-tu arrivé jusqu'à là? Il dit qu'il voulait avoir, il voulait faire de l'argent, il voulait avoir beaucoup d'argent, il voulait faire un rituel d'argent. Il dit, mais comment ça? C'est là, il va commencer à expliquer que cela a commencé sur Facebook. Sur Facebook, ils sont entrés dans un groupe d'amis qui parlent de comment faire pour avoir de l'argent, comment faire pour avoir beaucoup d'argent en peu de temps, comment faire le rituel d'argent. Et quand il y est entré, là-bas, les gens parlaient de la tête de l'homme. Vous voyez, les gens disaient là-bas que tu prends la tête de l'homme, tu mets ça dans une marmite en bois et tu laisses ça pendant très longtemps jusqu'à ce que ça devienne de la cendre. Et une fois que c'est devenu de la cendre, ça brûle comme et que c'est devenu de la cendre, là tu pourras vraiment récupérer cela et puis ça va te faire de l'argent. Maintenant, eux, ils ont dit que, ah, mais si c'est comme ça, c'est facile, si c'est facile comme ça. C'est qu'on va essayer. Maintenant, les trois, ils étaient trois. Maintenant, les trois avaient chacun sa copine. Et ils étaient là en train de dire, bon, nous, on aime notre copine. Nous, on aime nos copines. Voilà. Nous, on aime nos copines. On n'a pas envie de les tuer. Chacun a dit, ah, vraiment, c'est vrai, hein? Nous, j'aime ma copine d'elle. Maintenant, ils se sont dit, ok, mais quand même, on veut devenir riche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est là l'un parmi eux a dit, bon, puisque c'est ainsi, nous allons faire, hein, on va faire un jeu. Un jeu qui consiste à écrire le nom de nos copines respectives sur une feuille et on va tirer au sort. Celle-ci qui s'est tombée, c'est elle qui sera tuée et on va prendre sa tête. Eh hey, Seigneur, voici comment hein, ils sont commencé à faire les trucs. C'est sorti la copine du gars qui est là. Et ils disent, ok, ah, c'est obligé de la copine, ta copine. Hein. Donc, faut l'appeler. Et puis, on va faire le travail. Voici comment le gars va maintenant appeler sa copine de 20 ans. Et dit à sa copine, écoute, viens. Je vais te voir. Elle aussi, bon, elle n'a pas peur de lui. C'est son gars. Elle ne sait pas qu'en ce moment où elle essaie de parler de lui, là, son gars n'est plus son gars. Il est devenu un démon. Et elle est arrivée. Qu'elle est arrivée, on connaît le résultat après. Elle est morte. Quand elle est morte, ils ont enlevé sa tête, ils ont coupé sa tête. Et c'était parti son corps.
Et puis, ils sont allés jeter sa tête, ils sont allés jeter son corps dans un immeuble inachevé. Ouais, non. Voilà. Maintenant, ils ont continué le rituel. Ils ont continué à faire les choses. Exactement comme ce que les gens de leur groupe Facebook là les ont dit. Au final, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'argent. Ils ont tué leur copine pour rien. Ils se disent, hein? Ça là, c'est comment? Comment on va gérer ça maintenant? Ils ont testé pour voir si ça marche. Ils ont utilisé la tête de leur copine pour voir juste si ça marche. Malheureusement, il n'y a eu rien. Peut-être leur copine est morte. Elle est morte. Et certains se baladaient aux alentours de 3 h du matin. C'est là des policiers ont mis la main sur eux. C'est-à-dire les policiers qui faisaient la patrouille ou bien qui raflaient. On était attirés par ces 3 jeunes gars. Ils disent, mais toujours là, vous faites quoi ici à 7 h, à 3 h du matin? Ils ne pouvaient pas parler. Ils regardent bien dans leurs mains où à l'intérieur se trouve une tête. Tête d'une fille. Hein? La jeune femme de 20 ans, elle a été tuée par son gars. Parce que son gars voulait faire rituel d'argent. Vous avez vu ça? Vous avez entendu ça? Attends, tant qu'il existe un groupe Facebook où là-bas on n'a pas fait de rituel d'argent. Mais toi, tu as 18 ans. Que se passe-t-il dans ta tête? Que s'est-il passé? À 18 ans, on est censé être encore à l'école, non? Mais bien sûr que oui. Mais attends, qu'est-ce que font les parents? À 18 ans, l'enfant quitte la maison. On ne sait pas où il va. Il y a des choses qui se passent vraiment dehors. Cela, j'aimerais vous amener à faire vraiment très attention à ce que vos enfants regardent sur Internet et avec qui ils sont amis. Est-ce que vous en rendez compte? Même vous, les mamans, vous devez savoir avec qui vos filles sont copines ou bien je ne sais pas quoi. Qui est les gars? Qui sont les gars? Elles doivent vous le dire. Parce qu'aujourd'hui, là, ce qu'on est en train de voir là, c'est ça maintenant. Des jeunes gens de 18 ans, mais d'abord de 17 ans, 18 ans, 19 ans, sacrifient leur copine. Parce qu'ils veulent avoir l'argent vite, 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 vite. Est-ce que l'argent c'est facile pour avoir? Maintenant, l'argent que tu souhaitais avoir à partir de ce sacrifice-là, de ce rituel-là, où ça a quitté pour venir? Où ça a quitté pour venir? En général, certains sont des argent qui disparaissent dans les banques, que l'État les envoie. Mais de la manière dont on voit ce constat, tu vas disparaître toi aussi pour aller remplacer l'argent que tu as volé à ces grandes banques-là. Parce que la plupart de ces grandes banques-là, parfois, ont un lien avec Satan. Oui. Souvent même, on nous dit que le S de dollar là est égal à Satan. Est-ce que vous avez entendu ça déjà une fois? Vous devez vous méfier. Vous devez vraiment faire attention. C'est pourquoi j'ai regardé toutes ces choses et je me suis dit vraiment, avant que je ne trouve une femme, il faut que je m'assure que j'ai des entreprises dans ce monde où les enfants qui vont naître de notre amour pourront y travailler, être à l'aise et continuer leur vie tranquillement. Parce que si vous ne le faites pas, là et les tentations qui vont venir, vous sont tellement grandes que vous allez perdre vos enfants gratuitement parce qu'ils ont décidé de toucher aux pactes interdits. Ça, c'est un pacte avec le diable. Donc, ils apprennent aux gens après le pacte avec le diable sur Facebook. Sérieux? Maintenant, la fille, elle est décédée. Juste à cause des gens qui voulaient essayer un rituel pour voir si ça marche. Que m'ont dit ses parents maintenant? Qu'est-ce que ses parents vont faire? Ils seront de gros yeux pour pleurer.
c'est dommage. C'est vraiment trop dommage. Y a plein de choses bizarres à vous révéler aujourd'hui. Ça, ce n'est que une vidéo, mais toutes les vidéos arrivent. Retenez la leçon. Évitez de marcher avec des amis qui vont vous pousser à faire des choses qui ne sont pas de bonnes choses. Tu marches avec des amis qui t'influencent à boire ou bien à fumer, même la chicha, la drogue. Mon ami, il faut éviter ces gens-là parce qu'ils te conduisent directement sur le chemin de la mort. Maintenant, voilà. Ils vont l'attraper, ils vont l'attraper. Il va passer maintenant le reste de ses jours en prison à l'âge de 18 ans. Comment peux-tu tuer? Le Seigneur, Dieu nous a dit qu'il a mis les 10 commandements. Dans les 10 commandements, vous ne devez pas tuer les gens. Vous ne voulez pas suivre. Vous le faites ce que vous voulez. Maintenant, voilà ça. Maintenant, voilà ça. Les gens n'ont pas dit que la parole de Dieu, le commandement de Dieu sont là pour nous rendre prisonniers. Maintenant, cette prison qui va les faire, c'est mieux, c'est comment? C'est mieux que la prison de la parole de Dieu est mieux que ça ou bien c'est le contraire? C'est pas la peine.